Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch after patch pour gagner des XP en illimité grâce au matelas sur Fortnite. Donc là, les vidéos que j'ai présentées précédemment ont été patchées. Donc là, je vous présente un after patch. Donc franchement, je pense même qu'il est peut-être possiblement plus rentable que les autres parce que sur les anciens glitch que je vous ai présentés, je gagnais 1 XP. Et là, quand j'ai fait le glitch, je gagnais quasiment 50 XP. Donc par rebond, je gagnais 50 XP. Bien entendu, les XP ont diminué au fur et à mesure. Mais je prenais quand même 50 XP que dans les autres maps, bah, je prenais plus que 1 XP. Par rebond, donc c'était un peu moins intéressant par la suite. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à mon poteau Johnny34 qui vient de me prévenir de l'astuce de cette vidéo. Donc grosse dédicace à toi frérot et merci pour la communauté. Donc c'est parti, la première chose que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est d'aller en mode créatif. Donc c'est parti, let's go. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, ici à gauche de la cabine de téléphone pour changer son costume, enfin son skin, ici vous avez une console. Vous allez devoir utiliser cette console en premier et ensuite vous allez utiliser la console de droite en deuxième. Faites bien cet ordre sinon ça ne fonctionnera pas. Donc dans la première console, vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc 3, 3, 4, 2, 7, 5, 7, 5, 5, 7, 8, 1, 2. Ok, donc là c'est bon. Là vous chargez la map. Et là ici dans la deuxième, vous allez mettre le code 5, 3, 7, 8, 6, 2, 3, 9, 1, 4, 0, 5. Bien entendu, les codes de l'île, enfin les codes des îles seront en description, en commentaire épinglé si jamais. Alors la première map s'appelle Bed War Food Fight, voilà. Et la deuxième map, donc ça vient de Tac Tac. Et la deuxième map qui est en train de se charger, on va attendre, il faut vraiment attendre que la deuxième map se charge, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, on va attendre, normalement ça ne devrait pas mettre trop longtemps. Donc voilà, la deuxième c'est la map de The Dark Viper, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans la première map de gauche, et là vous allez arriver dans un mini-jeu. Dans un petit jeu, une petite map, que vous allez lancer le jeu en appuyant sur option pour lancer le jeu. Bien entendu, ce glitch peut se faire à plusieurs ou en solo. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est essayer de repérer le tremplin. Alors, le tremplin, enfin, des matelas. Les matelas sont tout là-bas au bout, vous voyez. Donc là, je vais pinguer. Voilà, ils sont tout là-bas. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre un maximum de matériaux. Donc, je pense que il vous faut facilement, allez, 100, ouais, peut-être, attendez, 100, 120, 100, ouais, on va dire 300 matériaux. Il vous faut 300 matériaux. Et ici, en fait, vous avez un générateur de matériaux. Donc, économisez 300, enfin, récoltez 300 matériaux. Et ensuite, vous pourrez aller rejoindre les matelas parce qu'ils sont un peu loin. Là. Après, c'est possible que vous spawnez à côté. Hein. Là, moi, j'ai spawn de l'autre côté de la map. Donc, bien entendu, il va falloir que j'aille beaucoup plus de matériaux. Donc là, je vais économiser et récolter les matériaux. Ok, donc là, c'est parti. Là, j'ai 300 matériaux tout pile. On va voir si c'est assez pour aller jusque là-bas. Donc là, je vais créer une rampe jusqu'à la plateforme en face. Voilà, comme ceci. Hop, là, je vais sauter là. Ensuite, je vais traverser cette plateforme. Et je vais essayer de me rejoindre les matelas. Ben en fait, il faut que je rejoigne l'autre plateforme qui est juste ici. Donc, est-ce que je peux construire en biais comme ça? Non, je peux pas. Donc, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc regardez, il me manque. Il va me manquer des matériaux, je pense. Hein, regardez, j'ai 70 matériaux. Après, je peux en récupérer ici. Ça m'en donne 70. Ok, c'est parfait. Donc là, normalement, j'aurai assez, c'est sûr même. Donc 70. Donc au total, j'avais 370 matériaux. Hop, on va créer un petit truc ici. Il m'aura fallu 300. On va mettre même un petit truc comme ça. Il m'aura fallu 340 matériaux pour faire de là-bas ici.
Alors, je tiens à préciser que regardez en haut à droite, ça dure 25 minutes. Donc, vous avez 25 minutes où vous allez pouvoir gagner de l'XP sans rien faire. Dès que je vais rentrer dans les trampolines, je vais gagner des XP sans rien faire. Et il faut savoir que le compte que j'utilise a déjà bien farm ce genre de glitch. Donc, normalement, en temps normal, je ne gagnais que 1 XP par rebond. Donc, vous allez voir, là, je vais gagner beaucoup plus d'XP. Donc, après, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément utiliser un nouveau compte pour voir si je peux gagner encore plus d'XP. Genre, si quelqu'un, si par exemple, l'un d'entre vous n'a jamais fait le glitch des matelas, bah, alors là, peut-être que vous allez gagner, je sais pas moi, 10 000, voire 5 000 XP par seconde. Ça va être un truc de fou. Peut-être que par minute, vous pourrez gagner 1 million d'XP si vous avez vraiment jamais fait le glitch ou si vous avez de la chance, parce que tous les comptes n'ont pas cette chance. Donc, enfin bref, vas-y, let's go, hop. Donc voilà, là je gagne 36 XP, donc je m'y attendais parce que tout à l'heure j'ai gagné 50 XP par 50 XP et ensuite, ben, en fait, ça a diminué. Je suis descendu à 49, puis 48, puis 47, puis là j'ai continué. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, il faut que je vous sorte la vidéo maintenant tout de suite pour que vous soyez au plus vite au courant pour avant qu'ils le patchent. Parce que là, Fortnite, ils ont patché les deux glitches d'hier. Donc, je me dis que celui-là, il va être patché assez rapidement. Donc, je me suis dit, je vais vous faire la vidéo le plus vite possible. Et là, regardez, j'étais à 36 quand j'ai commencé. Maintenant, je suis descendu à 35. Là, je suis redescendu à 34. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà 30 secondes que je suis dans le truc et que j'ai pas pris un seul freeze. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis sur PlayStation, donc normalement, sur PlayStation, le glitch des matelas nous fait bug. Donc, on a une erreur d'application et le jeu se coupe. Sur Xbox, PC et sur Switch, il n'y a pas d'erreur d'application, donc vous pouvez le faire en illimité. Donc, pendant 30 minutes, vous pouvez être en train de faire le glitch et gagner des XP en illimité super rapidement sans rien faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le jeu tourner, voir si je peux maintenir pendant 23 minutes. Voir si je tiens les 23 minutes sans avoir une erreur d'application. Si ça marche, tant mieux. Ça voudra dire que sur PlayStation, bah, vous pouvez le faire aussi. Si je me fais déco, si j'ai une erreur d'application, bah, ça veut dire que faudra faire attention. Il faudra relancer à chaque fois que vous faites une erreur d'application. Ou peut-être vous prenez 100 000 XP, ou vous restez genre 2 minutes et vous ressortez, puis vous rentrez. Enfin bref, là, je vais vous mettre la vidéo en accéléré jusqu'au crash ou jusqu'à la fin de 23 minutes. Attends, là, il est marqué 10 minutes in. J'ai pas bien vu le message qu'il était marqué, mais il était marqué 10 minutes. Puis après, all matelas x2 XP. Je sais pas ce qui va se passer dans 10 minutes, mais on verra bien. Et regardez, n'hésitez pas à mettre une petite rampe comme moi je l'ai mis parce que j'ai l'impression que ça me retient à l'intérieur des matelas. Comme ça, ben là, je touche pas la manette en fait. Et comme ça, ben, je sors pas du matelas parce que c'est possible que, ben, au fur et à mesure, ça vous fasse sortir du matelas. Donc, si vous mettez une petite rampe comme moi, je suis en train de le faire, enfin comme moi, je l'ai mise, eh ben, peut-être que vous ne sortirez pas du matelas. Donc voilà, là, j'ai tenu, je ne sais pas combien de minutes. Je vais pas vous mettre la vidéo en accéléré, mais vous avez vu, j'ai tenu pas mal de minutes. Je crois que j'ai tenu 10 minutes avant que ça crache. Et j'étais à 200 000 XP. Peut-être j'ai tenu peut-être un peu moins de 10 minutes, mais voilà, j'ai gagné 200 000 XP. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Merde, ça fallait pas... Enfin, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que... Fallait peut-être pas que j'envoie le rapport, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec un compte que je n'utilise jamais. Et on va voir combien d'XP je vais gagner. Je vais même utiliser un autre compte que celui-là. Je vais utiliser vraiment un tout nouveau... SM YouTube, voilà, je vais utiliser celui-là et on va voir si je gagne beaucoup plus d'XP qu'avec mon compte que j'ai déjà tryhard le glitch. Après, si vous êtes sur PC et sur Xbox ou sur Switch, ben là vous pouvez rester les 30 minutes sans rien faire et c'est ça qui est cool. Après, pour ceux qui sont sur Play, ben, comme vous avez pu le voir, après 8 minutes plus ou moins, je crois, ben je me suis fait déco. J'ai crashé dans ma partie. Donc, il faut que je diminue le son parce que c'est en train de m'exploser les oreilles, là. Ok, parfait. Donc, c'est parti. Je vais en mode créatif. Et donc, ce que vous faites, vous, si vous êtes sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, ce que vous faites, c'est que, ben, après 5 minutes, vous allez 5 minutes dans le matelas.
et ensuite ben, vous ressortez, vous attendez genre quelques secondes et vous re-rentrez dans le matelas pour éviter les crashs. Donc là c'est parti, je vais renoter les codes. Ok, donc c'est parti, je rentre dans la map, j'ai bien attendu que les deux maps se chargent. Hop, je lance la partie. Vous pouvez remarquer que je suis niveau 5 sur le compte, parce que tout simplement j'ai reçu les 225 000 XP gratuits. Donc voilà, c'est un tout nouveau compte. Le matelas est toujours là-bas, donc je réapparais encore par ici. Donc là, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais prendre 300 matériaux, comme tout à l'heure, parce que tout simplement, ben, là-bas, on m'avait donné 70 matériaux. Donc je vais récolter 300 matériaux et je vais retourner là-bas. Ah oui, une petite information supplémentaire. Je pense que, je sais pas si c'est ce week-end ou le week-end prochain, je crois que c'est ce week-end, mais je suis plus trop sûr. C'est soit ce week-end ou le week-end prochain, mais on aura un boost d'XP sur Fortnite pendant tout un week-end. Donc si vous avez un boost d'XP sur Fortnite et que le glitch est encore est toujours fonctionnel, bah là frère, on va faire 1 milliard d'XP, un truc de fou. Donc voilà, franchement, s'il y a un boost d'XP, ben, n'hésitez pas à utiliser ce glitch si bien sûr il est toujours fonctionnel. Ok, donc là j'ai 300 matériaux, donc normalement ça devrait être bon. Alors pour mettre un sol, c'est R1, voilà, parce que les touches sont modifiées. Donc c'est parti, hein, je vais rejoindre les matelas. Ok, donc je prends bien les matériaux qui sont ici. Donc, ça me fait encore 140 matériaux. Hop, je reconstruis des sols pour aller jusque devant le matelas. Donc, je vais mettre un sol ici. Je vais mettre un mètre les rampes, c'est quoi? C'est L2. L2, et je vais mettre un ici. Voilà, parfait. Et là, j'espère que je vais gagner blindé d'XP. Donc voyons voir. Ah ouais, oh my god, 458 XP. Et je suis sûr, hein, vous pouvez encore gagner plus. C'est juste que, bah voilà, ce compte a une chance de gagner 458 XP, mais c'est totalement aléatoire. Il y a des gens, ils peuvent gagner 10 000 XP. Il y a des potes à moi. Ils ont fait le glitch précédemment que je vous avais déjà présenté, où je vous avais justement montré qu'un mec sur YouTube, il avait atteint 1 million d'XP en une seule minute. Et bien, il y a des potes à moi, ils ont réussi à avoir la même chose. Ils gagnaient genre 11 000, voire 10 000 XP, rien qu'en rebondissant comme ça. Mais en fait, ça varie avec les personnes. Avec les comptes, je sais pas pourquoi, je sais pas quel facteur varie, mais il y a des comptes où vous allez gagner 15, 20 ou 5000 XP, ça dépend, ça varie. Donc là, j'ai obtenu 500 XP, bien entendu, les XP vont diminuer. C'est dégressif, mais en une minute, le mec, il avait réussi à avoir 1 million d'XP. Là, regardez, en une minute que je viens de vous parler, j'ai gagné 200 000 XP. Donc franchement, c'est un truc de malade, des potos. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas mon petit code créateur SCM. C'est 3 lettres, c'est très rapide et efficace à mettre dans la boutique. Ça soutient à mort. Donc n'hésitez pas à le mettre, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.